Madame Baki Elisabeth Ella, docteur en anthropologie. J'ai fait une spécialité en archéologie. Vous dites qu'en Côte d'Ivoire, il y a bel et bien la discipline archéologique au sein de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Il faut dire que ce combat, il est noble. Ce combat, il intéresse tous ceux qui sont docteurs et qui sont docteurs chômeurs. Il faut dire pour nous, les femmes, qui aujourd'hui avons passé plus de 10 ans de formation ici au sein de cette université, après l'obtention de notre doctorat, avec cette joie que nous avons proclamée vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de nos enfants, aujourd'hui, nous avons mal. Nous avons mal parce que nous regardons nos enfants, nous regardons aussi nos petits frères qui nous suivent. Si nous, la relève qui a été instruite, qui a été enseignée, n'arrive pas aujourd'hui à se positionner au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a problème. Nous demandons à notre papa, à notre maman aussi, Dominique Ouattara, et qu'ensemble, ils puissent voir la situation de nous, docteurs chômeurs. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous venons vers vous pleurer, voire me pleurnicher. Mais c'est un cri de cœur que nous adressons afin que notre situation soit réglée et que tous ensemble nous bâtissons la Côte d'Ivoire. Je vous remercie et que les docteurs soient recrutés.